Premier mot pour le bilan sera satisfaction, satisfaction du public qui est venu, qui s'est égrené tout au long de ce parcours-là pendant tout l'été sur 2 km à peu près, 1 500 km, 2 km, et qui a été émerveillé par les tableaux d'Alain Thomas et je dirais surpris et agréablement surpris par le décor bucolique, c'est souvent ce qui revenait, dans lequel s'inscrivait cette très belle exposition. Alors que de satisfaction. C'est un bonheur que nous avons vécu parce qu'en plus, les carats d'océan ont pu en profiter tous les jours. Cinq Kardec, effectivement, je pense que c'est parti pour pas mal d'années. C'est pas toujours évident de monter ce genre d'exposition, mais à l'arrivée, c'est une surprise tout à fait heureuse. Et il y a quand même un nombre assez important de tableaux qui sont présentés. Et c'est vraiment une très belle exposition. L'objectif, finalement, pour chaque événement, on se donne toujours des objectifs. Et finalement, pour chaque événement, on est surpris. Parce que la plupart du temps, les objectifs sont atteints, tant en termes médiatiques, fréquentation, intérêt du public. Et à chaque fois, on reste surpris par la réaction du public. On ne sait jamais quand et comment. Et c'est ce qui fait la partie magique de chaque événement. Moi, j'ai pour habitude de dire que notre activité, elle est belle parce qu'en fait, on est des témoins d'une rencontre amoureuse et de coups de cœur. On ne sait jamais quand et avec qui, mais on sait que tôt ou tard, elle aura lieu. Les gens ne connaissent pas Saint-Cardec. C'est-à-dire, on traverse Saint-Cardec, comme toute petite bourgade, hein, centre-Bretagne, on la traverse, mais de la rentrer et d'en faire le tour, non, c'est pas connu. Les gens très surpris par la commune, par l'aspect de la commune, c'est propre, c'est joli, on ne connaissait pas, c'est coloré, c'est magnifique. La couleur est toujours là, grâce au tableau. C'est formidable. L'œuvre d'Alain Thomas présente ici à Saint-Cardec nous permet de revaloriser le territoire du Centre-Bretagne, redynamiser tout ce patrimoine qu'on a ici dans le Centre-Bretagne, les églises, les petits bourgs. Et c'est vrai que cette exposition a eu l'avantage de drainer pas mal de monde qui est venu ici à Saint-Cardec pour découvrir à la fois le village et à la fois l'œuvre d'Alain Thomas. Ce qui m'a le plus plu, c'était justement de mettre les contenus pédagogiques en place, travailler avec des professionnels qui étaient déjà dans le milieu culturel ou dans le milieu touristique. Pour moi, ça a été justement de mettre en place les outils pédagogiques en amont avant l'inauguration de l'exposition. La meilleure satisfaction, c'est de voir que des personnes ont connu cette exposition à Alain Thomas, l'étant le printemps à Saint-Cardec, grâce aux réseaux sociaux qui pouvaient habiter à 50 km ou à 500 km du centre-Bretagne. Et en soi, ça, c'est une réussite. Et puis de voir ce cœur de bourg coloré avec cet aspect exotique, onirique, poétique, c'est ce décalage moi qui m'a plu. Et s'il y avait un lieu particulièrement à mettre en avant, ou en tout cas à retenir, c'est ce Jardin des Simples avec l'Ibis du Japon, cette toile qui va devenir pérenne après la fermeture de l'exposition, de voir qu'aujourd'hui, en 2021, il est associé à l'esthétique par l'art, de la couleur, mais aussi du végétal, des fleurs, un aspect boisé, minéral. Oui, on pense à demain et il y a plein de choses qu'on peut espérer pour demain. J'ai été émerveillée. Oh, franchement, j'ai jamais vu si beau, moi, des couleurs. Et la vie, c'est la vie. Les couleurs et puis les oiseaux, tout est beau. On resterait des heures à regarder.